entreprise s'appelle Dédale l'atelier. L'atelier parce que donc je fabrique des objets de décoration à partir d'objets anciens que je chine, que je transforme, rénove et détourne pour la plupart pour en faire des objets décoratifs aussi bien pour la maison, le jardin, l'univers des enfants. J'ai cette activité depuis professionnellement depuis l'année dernière. Le site internet donc, qui est récent s'est avéré une évidence. Après une première phase de démarrage où j'ai commencé par vendre en faisant du dépôt-vente en fait par le biais d'un autre site internet et en vendant auprès de boutiques ou dans des ventes privées à Paris notamment. La fin d'année dernière m'a beaucoup occupée et puis la rentrée de cette année a été une période un petit peu creuse pour la décoration, et notamment par Internet. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai un petit peu de temps. Et la personne avec laquelle je travaillais sur ce site Internet partait sur un autre projet, donc me dédiait aussi moins de temps et donc moins de ventes. Donc ce qui m'a amené à faire mon propre site pour pouvoir vendre directement auprès des particuliers. Il a fallu 4 mois à peu près entre le moment de la réflexion et le moment où effectivement je suis passée à l'action. La formation en fait pour créer ce site, je l'ai trouvé sur Internet tout simplement, en fait en naviguant beaucoup, en regardant ce qui existe, quelles étaient les solutions du marché. Je cherchais une solution qui me permette de rester sur le cœur de mon métier, à savoir la création des objets, et qui me permette de ne m'occuper que de la partie animation du site, marketing, enfin relations presse, enfin de faire connaître le site, et de pas du tout m'occuper de la partie informatique qui n'est pas du tout mon domaine et qui ne m'intéresse pas non plus spécialement. Donc la solution ASP s'est avérée assez évidente. Ce qui m'a plu en fait, c'est que ça permettait d'avoir une solution rapide d'accès. Enfin, rapide, effectivement, en un mois et demi, le site, entre le moment où j'ai eu le logiciel et le moment où il a été en ligne, où il a fallu un mois et demi à peu près. L'objectif était de faire une boutique une e-boutique, de la vente en ligne. Donc, je voulais une solution qui soit simple, avec une ergonomie déjà éprouvée. L'éditeur que j'ai choisi gère 1500 boutiques à peu près, donc effectivement, ça a déjà fait ses preuves. Sur ce site, il y a donc mes objets, bien sûr, classés en 3 ambiances, donc univers des enfants, maison de famille et esprit loft, pour certains objets plus industriels, et classés par utilisation, s'asseoir, s'éclairer. L'interface du site est donnée par l'éditeur, puisque c'est une location. Donc je loue chaque mois un logiciel qui me permet de gérer l'arrière-plan du site et de rentrer les nouveaux objets, de modifier les références, enfin de gérer tout ce qui est visuel, c'est moi qui le gère. Et les prix, les promotions. L'administration du site prend beaucoup de temps au démarrage. Au quotidien, ça prend du temps quand je crée des objets et que je les rentre. Aujourd'hui, il me faut à peu près un quart d'heure. Mais entre le moment où j'ai fait les photos et le moment où l'objet est en ligne, oui, il faut peut-être un peu plus qu'un quart d'heure, mais 20 minutes peut-être. Le premier impact de ce site, ça a été d'être un petit peu maître à bord de ce que je fais, puisqu'auparavant, je passais plutôt par des indirects. Et puis, une meilleure maîtrise de mes marges. Et surtout, ça me permet de me faire connaître moi directement, enfin, moi ou mes objets plutôt. Puisqu'avant j'étais vendue par des intermédiaires qui se faisaient leur propre publicité et pas forcément la mienne. Le choix de cette solution ASP était évident pour moi parce que je démarrais, ma société n'est pas encore très ancienne, je n'avais pas encore figé une identité visuelle, donc ça m'était difficile d'aller voir un concepteur de site internet et de lui donner un cahier des charges parce que je n'en étais pas encore capable. Et je ne voulais pas m'engager sur un investissement
lourd. La solution que l'on a choisie d'ASP permet de gérer une vraie boutique, en fait, avec la gestion du stock, la gestion du transport, la gestion des factures, des livraisons, des statistiques. J'ai plusieurs solutions de transport, donc la poste, bien évidemment, pour tout ce qui est peu volumineux et peu lourd. Mais après, j'ai effectivement aussi des solutions de transport, des transporteurs classiques, ou pour le cas de gros meubles, un transporteur de meubles qui livre en camion capitonné avec deux chauffeurs. Voilà. Et ça, partout en Europe, et dans certains pays bien plus lointains, pour ce qui est de la poste. Ça, c'est le miracle d'Internet, de pouvoir vendre des objets au Japon, ce qui m'est arrivé, ou en Angleterre pour un film. C'est ce que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu un site Internet. La solution ASP, en fait, vous propose un package dans lequel, après, vous prenez les options qui vous plaisent ou pas. Le choix de la banque, c'est vous aussi qui le faites. Alors, moi, j'ai choisi dans un premier temps une solution classique de PayPal. Hein. Mais j'avais la possibilité de choisir une banque, ma banque en l'occurrence. C'était l'un ou l'autre. Aujourd'hui, c'est l'un ou l'autre. Le mois prochain, il y a une nouvelle version du système qui va être mise à jour. J'aurai la possibilité de choisir les deux. Et c'est justement un des atouts d'une solution ASP, c'est que, à la différence, lorsque vous créez votre propre site, où chaque mise à jour vous coûte cher parce que vous devez retourner vers votre concepteur et repayer pour cela. La solution ASP est intéressante parce que les mises à jour vous sont faites au fur et à mesure des solutions qui apparaissent, et c'est compris dans le package.